Regarde qui peur, ça y est, on y est, c'est le trésor des Caneras. Waouh, j'espère qu'on n'a pas fait tout ce chemin pour rien. J'espère aussi. Quand je pense à toutes ces aventures incroyables qu'on a vécues tous ensemble, enfin que les gens n'ont pas pu voir parce que les effets spéciaux, ça coûte cher. Un jour, nous retrouvons l'homeless. Et ce jour-là, je toucherai enfin du doigt ma volonté de toucher le centre de l'univers. Tu sais, comme dans No Man's Sky, tu sais ce jeu pourri là. Mais, mais qu'est-ce que tu fais J'arrive, j'arrive. Oui, euh, alors, je disais donc, euh... je crois que j'ai trouvé quelque chose. Oh non, me dites pas que c'est pas possible, me dites pas que c'est pas vrai. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, ici William Clément pour une nouvelle émission dans laquelle je partagerai avec vous ma vision du jeu vidéo, de sa dimension technique et artistique, mais également de l'histoire du jeu vidéo en général. Bienvenue dans Younai. Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter l'histoire d'une success story à la française. Une success story qui ne peut que commencer grâce à l'explosion de la bulle internet. Nous sommes en 2001, lorsque Anthony Roux, Camille schaeffer et manuel Derras, anciens salariés de l'agence web ePuzzle, fondent une jeune compagnie à laquelle ils offriront leurs noms respectifs. Anthony, Camille et Manu. Ankama est né. La jeune équipe s'acharne à évoluer dans ce nouveau milieu qu'on appelle internet. Elle s'applique alors... À créer des sites web pour des clients tels que la Redoute, mais aussi de maintenir des intranets d'entreprise, ou bien de créer et gérer des systèmes d'information pour leurs clients. Pourtant, dans l'esprit de ses fondateurs, Ankama n'est pas voué à rester qu'une simple agence web. Non. Secrètement, ils rêvent de faire de leur entreprise un studio de divertissement. Quand on regarde rétrospectivement les startups nées dans les années 2000, on observe qu'une grande partie de ces entreprises ont survécu jusqu'à aujourd'hui en mutant en agence web pourtant ankama démarre à l'inverse en tant qu'agence web et de prestation de services et dès le départ entre les formations au graphisme le webmaster le conseil les référencements et bien sûr le jeu vidéo ankama joue sur de nombreux fronts et pour moi c'est ce qui fait la qualité de l'entreprise dès le début à savoir sa polyvalence l'un des savoir-faire de la société ankama est flash une suite logicielle développée par la société macromedia qui sera d'ailleurs rachetée par adobe plus tard la spécificité de ce logiciel est sa simplicité d'utilisation et surtout son outil de dessin vectoriel. Le logiciel a été pensé comme un environnement de développement complet, capable de pondre des applications complexes et professionnelles à l'aide de son langage de prédilection, l'ActionScript. Pour Anthony Roux, alias Tot, Flash est un allié de toujours et le logiciel restera durant un long moment l'un des socles technologiques de la société, pour le meilleur comme pour le pire. En 2001, la société peine à convaincre. Elle vivote grâce à une activité de prestation de services aux entreprises et Emmanuel Darras cherche désespérément des fonds pour pouvoir faire survivre l'entreprise, lancée avec 3000 euros chacun. Mais pendant ce temps, une idée folle germe dans la tête d'Anthony et Camille, les deux autres fondateurs. Durant les années 2000, Flash est un logiciel qui a la cote. En effet, le logiciel est un vrai phénomène au début des années 2000. Entre les portails de jeux Flash et YouTube, Flash a la cote. On notera par exemple l'apparition des pionniers du jeu vidéo indépendant, qui testent leurs idées de game design sur Flash, ou des killer apps tels que Yeti Sports, qui se partagent par un simple lien dans un mail. Il faut dire que Flash a des avantages multiplateforme, portative, et surtout accessible depuis n'importe quel navigateur web, sous condition d'avoir le module Flash Player installé sur son ordinateur. Flash peut être un meilleur moyen d'exprimer leur talent ailleurs que sur un site web vitrine. Non, ils entrevoient beaucoup plus grand. Et c'est ainsi qu'entre 2001 et mi-2002, la petite équipe travaille sur des ébauches de mini-jeux. Ils développent d'abord des jeux de tank multijoueurs, ainsi qu'un premier jeu solo intitulé Artislot. Sur le site d'Ankama de l'époque, on peut déjà lire dans la section création de jeux vidéo. Tout se passe dans la forêt fantastique. Arti a du mal à s'en sortir seul face à des monstres dotés d'une intelligence artificielle supérieure, et à des poulets cracheurs de feu, des caignoux parlants et des arbres indéracinables. Dans ce synopsis, on peut déjà entrevoir l'univers si unique d'Ankama, l'humour potache et l'univers fabuleux y a déjà présent. On y découvre des poulets cracheurs de feu et des arbres indéracinables et les prémices du cosmos pointent le bout de leur nez. Mais c'est en 2003 que l'équipe dévoilera le produit qui fera d'Ankama l'un des empires du divertissement français, le MMORPG Dofus. Dabla, bla, et c'est comme ça que les mecs ont créé un meuporg. Euh, pas tout à fait. En fait, le projet d'Ofus est passé par plusieurs étapes. Il s'agissait au début d'un épisode de la série de jeux vidéo Artislot, intitulé Duel. Ce dernier ne permettait que du combat au tour par tour, du joueur contre joueur. Mais c'est par la suite que le jeu s'est peu à peu complexifié pour devenir un vrai mixte entre chat en ligne, avec du challenge, des monstres et surtout un lore. Le terme MMORPG ne s'accorde pas au projet, selon moi, à ses débuts en tout cas. Certes, l'objectif de la petite équipe d'Ankama est de développer un meborg, mais le jeu reste minuscule comparé au mastodonte qui sortira quelques semaines plus tard, World of Warcraft de Blizzard Entertainment. Non, ce qui fait la particularité de Sortilège, alias Dofus, c'est d'aller à contre-courant des productions de l'époque. La mode est à la 3D, aux univers sérieux, au médiéval fantastique. Mais non, Dofus sort du lot. Une fois connecté à son compte, le joueur débarque dans un univers parodique est unique en son genre. Le style graphique en 2D mélange cartoon et style animé japonais qui fait du jeu une perle de son époque. Pourtant, comme on dit, la créativité née de la contrainte et d'Ofus n'échappe pas à la règle. Les faibles débits de connexion de l'époque, ainsi que les limites technologiques de Flash ne permettent pas de créer un monde grouillant de détails. Le jeu se joue à la souris et ne permet pas au début de déplacements rapides. Le jeu est rempli de bugs car le moteur de jeu Flash est difficile à dompter. Bref, le jeu n'est pas parfait. Et pourtant. fous, mes enfants, ils n'arrêtent pas de parler de ça. Un jeu vidéo. J'ai appris que ça se faisait à Roubaix. On y va, c'est chez Ankama. 4 personnes en 2001, 500 en 2012. Enkama, c'est l'histoire d'un succès roubaisien. Jeux vidéo, séries télé, web et graphisme, Enkama est une véritable ruche de créativité. Jeux vidéo, dessins animés, produits dérivés, la formule Dofus vaut de l'or. Dofus, une passion dévorante pour beaucoup d'ados, parfois à la limite de l'addiction. Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des me Entre chat virtuel et jeux vidéo, Dofus. Est un succès incroyable. En 2007, c'est 3 millions de personnes qui ont visité les contrées d'Amakna. Dofus se veut un MMORPG stratégique. Le gameplay est plutôt simple, puisque l'interface du jeu est découpée de manière à être accessible à la souris. Et aujourd'hui, mon objectif va être de vous montrer que malgré les limitations techniques et technologiques auxquelles l'équipe d'Ankama a dû faire face, le jeu est une merveille d'ergonomie. Et pour vous expliquer au mieux le fonctionnement de Dofus sans me faire striker la chaîne, laissez-moi vous présenter l'idée au travers de ma version Leader Price. L'écran du jeu est alors découpé en deux parties. La première partie est l'interface utilisateur. On y retrouve le chat, un hub d'informations relatant le nombre de points de vie du personnage et ses points d'expérience, avec les menus pop-up qui vont venir chacun enrichir l'expérience du joueur. À droite, on a un panel contextuel qui va afficher les attaques pour les combats ou bien les émoticônes. La seconde décrit le monde visité par le joueur, entièrement dessiné et animé à la main. On y voit son avatar se déplacer dans le monde, lui-même découpé en plusieurs sous-cartes. Il y a une fonctionnalité basique de Dofus qui est pour moi la synthèse de la vision que portera Ankama pendant près de 20 ans. Pour passer d'une carte à l'autre, on doit faire bouger son personnage en cliquant à l'endroit où l'on souhaite qu'il se déplace. Ce dernier va alors marcher ou courir vers le lieu désiré, dans le cas où le joueur veut changer de sous-carte. Ce dernier n'a que se déplacer en cliquant sur un petit téléporteur pour y voir son personnage changer de sous-carte. Et déjà, on perçoit au travers de cette fonctionnalité de déplacement du personnage les forces et les faiblesses du projet. D'abord, cette méthode est un cache-misère parce qu'à l'époque, il est difficile de faire une caméra mouvant qui suit le joueur dans l'environnement sous flash. L'image perdrait alors de sa fluidité. C'est pourquoi l'équipe a choisi de garder l'environnement statique pour faire en sorte que le joueur se déplace dessus de manière organique. Pourtant, le jeu réussit à rendre le tout plus intuitif et dès le départ, le joueur est confronté à un tutoriel permettant de mieux appréhender les caractéristiques du gameplay. Et chaque action semble naturelle. Et ceci est l'une des nombreuses prouesses réalisées par la jeune équipe d'Ankama. Chacune des parties du gameplay est pensée pour composer avec les limites de l'époque, de son moteur Flash, mais également du réseau naissant Internet. C'est pourquoi les combats du jeu sont au tour par tour, et non en temps réel. Mais ce n'est pas tout. Les graphismes sont aussi impactés par les limitations techniques des processeurs graphiques de l'époque. C'est pourquoi les environnements riches en détails seront en bitmap, quand les éléments animés, comme les personnages, seront réalisés en vectoriel à l'aide d'une direction artistique issue de la culture manga japonaise et de la BD franco-belge. Tout est pensé pour optimiser l'espace de stockage, tout comme l'espace de votre processeur. Et c'est là, l'un, si ce n'est le talent créatif d'Ankama, jouer avec les limites, aller au-delà de ce qui est possible avec ce qu'ils tiennent entre leurs mains, et défier le monde du divertissement avec quelques morceaux de ficelle. On n'a pas de moteur de jeu en 3D C'est pas grave Prenons un logiciel de création de site web et faisons un mémo avec Mais Ankama ne veut pas s'arrêter là. C'est en 2005 que l'entreprise commence à travailler sur son deuxième titre, Dofus Arena. Mais on assiste aussi à l'époque au lancement d'Ankama Editions, qui s'occupera, dans un premier temps, de l'édition des artbooks et des beaux livres présentant les making-of de Dofus, et bien sûr du phénomène de Manfra, Dofus, scénarisé par Toth et illustré par Ancestral Z. Ok, mais du coup, c'est à quel moment qu'ils ouvrent leur studio d'animation en Asie Mais quel est le rapport La diversification Eh bien, laissez-moi vous parler du transmédia. Le trans-mais quoi Le transmédia est une stratégie de narration multimédia et multisupport. L'idée est la suivante on déploie un univers sur différents supports. Jeux vidéo, bande dessinée, animation, livres, dans le but d'approfondir l'univers, le tout en multipliant les sources de revenus. Ah ouais comme les productions Nintendo Euh... Non. Parce qu'ici, il n'y a pas d'histoire à compter deux fois. En fait, cette stratégie peut être utilisée à plusieurs fins. Tout d'abord, l'idée est de créer de nouveaux canaux d'entrée aux produits principal. Des jeunes gens peuvent découvrir la bande dessinée qui va les inciter à jouer au jeu. Voyez cela comme une publicité qui vous raconte une histoire et qui fait partie intégrante de l'expérience. Ensuite, cela permet de diversifier et de structurer l'entreprise. La jeune agence web... Mute et va chercher de nouveaux relais de croissance pour sauvegarder son indépendance. Enfin, à l'échelle humaine, cela permet de proposer à ses équipes de nouvelles expériences professionnelles tout en restant au sein de l'entreprise. Cette méthode permet alors des bols d'air frais créatifs, aux animateurs notamment. Le transmédia est donc plus qu'un argument marketing, c'est un esprit d'entreprise. Et c'est à ce moment que nous allons voir l'émergence de projets ambitieux qui vont à la fois souligner l'innovation au sein de l'entreprise, mais aussi démontrer ses limites techniques et créatives. Un studio d'animation va alors voir le jour avec la mise en place d'un pipeline autour du logiciel Flash. On verra également la création de nombreuses filiales dédiées à l'internationalisation et à la stratégie transmédia de l'entreprise. Ankama va alors grossir et devenir plus qu'un simple studio de jeux vidéo. Il lance un portail vidéo en 2006 sur lequel les fans vont pouvoir regarder les bandes-annonces des futurs projets de l'entreprise, mais aussi les émissions produites en interne en partenariat avec la chaîne NoLife et le site gameblog.fr sur lequel Ankama est actionnaire. En Kama, va également structurer sa maison d'édition. Faire grandir ses labels de musique, construire un pôle événementiel, faire des films d'animation en stop-motion, lancer des jeux indépendants, construire une crèche dans son quartier. Et vous savez quoi En plus de tout ça, ils vont raconter des histoires au-delà de nos frontières. Parce que pour Anthony Roux, la prochaine étape pour l'entreprise est l'internationalisation de ses créations. Dofus reste un succès sur le territoire français. Et aussi en Amérique du Sud. Hélas, à l'époque, comme aujourd'hui, la grosse part du gâteau se trouve en Amérique du Nord et plus particulièrement aux États-Unis. Le rêve américain dans Kama doit donc prendre une nouvelle forme. Il doit se matérialiser sous la forme d'un des projets transmédia les plus ambitieux de la décennie. Et ce projet a pour nom Wakfu. Ah, mais ouais, c'est quand qu'elle sort la saison 4 Toi, tu cherches vraiment des problèmes. C'est toi qui les cherches, les problèmes Pourquoi tu montres aucune image du jeu depuis tout à l'heure Bon, d'accord. T'as gagné. Mesdames et messieurs, la suite de la vidéo risque d'être riche en contenu de Cette blague étant nulle, elle a été retirée au montage. Wakfu raconte une histoire qui se déroule 3000 ans après l'histoire contée dans Dofus. Et c'est plus qu'un Dofus 2. Le projet propose 5 grands axes à ses débuts. Un jeu vidéo massivement multijoueur sur internet qui se veut être le successeur et la suite spirituelle de Dofus. Une série d'animations composée actuellement de 2 saisons, de 26 épisodes, de 2 épisodes spéciaux réalisés au Japon, de 3 OAV. D'une troisième saison de 13 épisodes de 26 minutes et d'une quatrième saison en cours de production, d'un jeu de cartes à collectionner, d'un ambitieux plan de publication avec de l'édition de bande dessinée originale dans les séries Wakfu Heroes, Wakfu Les larmes de sang, une série de bandes dessinées ainsi qu'une série de mangas. Enfin, on a la mise en place de produits dérivés, de jouets et de goodies via sa filiale Ankama Products et de partenariats ambitieux, notamment avec Bandai. Mais ce n'est pas tout! Toutes les activités du groupe Ankama sont mises à contribution, dont la filiale Ankama Press. On a alors la création de magazines dédiés à la jeunesse avec Mini Wakfu Mag, mais aussi avec Wakfu Mag à partir de 2012. En parallèle de la création du MMORPG Wakfu, qui ne sortira qu'en 2012, Ankama propose un jeu vidéo pour attendre appelé Wakfu Les Gardiens, un jeu vidéo multijoueur en ligne reprenant les éléments de gameplay de Dofus en version ultra simplifiée et jouable Directement sur le navigateur à l'aide de leur ami qu'on ne présente plus, Flash Player. C'est une véritable initiation au MMORPG. Et enfin, c'est aussi quelques jeux vidéo jouables en solo avec Island of Wakfu et bientôt One More Gate, A Wakfu Legend. Vous pensiez vraiment que c'était fini Non Parce que Wakfu est un projet tellement ambitieux qu'Ankama a décidé de nouer des partenariats avec les plus grandes compagnies du secteur du jeu vidéo et ce pour donner une dimension plus internationale au projet. Ankama, va alors s'associer à Square Enix pour publier Wakfu en Amérique du Nord, et plus tard ils vont aussi s'entourer de Gumi, la société de jeux mobiles, pour proposer le jeu vidéo Wakfu Riders. Wakfu, c'est donc plus qu'une simple remise à niveau ou une extension de Dofus, c'est le projet le plus fou jamais porté par Ankama, et chacun des produits qui font partie de cet univers vont porter des défis techniques et artistiques. Côté jeu vidéo massivement multijoueur, avec son MMO, Kama abandonne le moteur de jeu Flash pour un moteur de jeu entièrement basé sur une autre technologie. Java. L'idée est de se défaire des contraintes technologiques de Flash pour proposer un Dofus taillé pour l'international. Bon, les joueurs détestent le système de soutien de Dofus Pas de souci, on leur offre une caméra qui suit le personnage. Les joueurs détestent les graphismes sommaires de Dofus Pas de souci, on leur offre une 2D magnifique. En fait, l'idée de Wakfu était de proposer un Dofus plus accessible, plus populaire, et de proposer une dimension transmédia pour le projet qui va dans ce sens. Et pourtant, le jeu gagne malgré lui en complexité. Avec un système d'environnement dynamique dans lequel les joueurs ont l'opportunité de tout détruire et un ambitieux gameplay qui allie écologie et politique, Wakfu devient plus qu'un simple Dofus 2 et vient s'inscrire dans une ambition de démesure qu'est l'univers connecté dans Kama, le Crossmose. Évidemment, pareil de Dofus, Dofus Arena, Wakfu les gardiens, Crossmaga, Dofus Touch, Crossmaster Arena et Dofus Unity et Waven. Tes mauvaises langues, tu sais Je sais. L'entreprise Ankama a tenté et tente encore aujourd'hui de nouvelles choses. Mais beaucoup de leurs tentatives de se détacher du pilier de leur succès story Dofus se sont soldées par des échecs. La stratégie d'Ankama pourrait être perçue comme une prise de risque créative permanente. Et oui, c'en est une. Pourtant, il y a des éléments qui trahissent la volonté d'Ankama de ne pas sortir des sentiers battus par son premier succès. Et à mon sens... Cela se traduit par deux éléments récurrents dans l'ensemble de son œuvre. Au niveau de sa ludographie, on remarque que la quasi-totalité des productions de la société Ankama se veulent être des successeurs spirituels de Dofus. On y recroise le tour par tour stratégique inspiré de Final Fantasy Tactics, avec une grille posée sur un environnement dans lequel le joueur doit battre ses adversaires. Et ce n'est absolument pas un mal. Après tout, à chaque nouveau jeu, Ankama semble comme réinventer la recette de son tour par tour. Par exemple... Le système de jeu de Dofus, bien qu'il soit en tour par tour sur une grille, n'a absolument rien en commun avec le gameplay proposé par Crossmaga, qui pour le coup empêche le joueur de reculer ou de fuir son adversaire. A mon sens, Ankama semble ici se concentrer sur des forks de son succès. L'idée est de reprendre à chaque fois des éléments qui ont fait le succès de Dofus, et de les ajuster pour agripper un nouveau public. Mais attention, quand je parle de fork, ce n'est pas juste de prendre le code de Dofus et de le copier-coller, non. Ici, c'est de reconstruire un projet de zéro, parfois sur une autre technologie de développement de jeu, et de lui appliquer de nouvelles idées de gameplay. Et pour moi, c'est encore ici qu'on perçoit toute la vision dans Kama. On a une succession de jeux qui adaptent chacun à leur manière le gameplay en Kama, la philosophie de l'univers du cosmos. Chaque jeu n'est finalement qu'un module, qu'un monde parmi tant d'autres. Et ce côté modulaire est précisément lisible dans le projet dans Launcher, un exécutable dans lequel on peut accéder à l'ensemble des univers du cosmos. Basculer d'une époque à l'autre, basculer d'un gameplay à l'autre basculer d'une vision à l'autre d'un même univers. Mais le gameplay tour par tour n'est pas la seule obsession d'Ankama. Au niveau de la narration, il y a un domaine dans lequel Ankama excelle depuis des années, et ce domaine, c'est le shonen parodique. Au cours de son existence, la société a lancé de nombreux projets, et sa ligne éditoriale, même si elle reste ouverte à des propositions fortes d'auteurs, a longtemps été rythmée par les shonen. Le shonen est un genre de manga qui vise le jeune public masculin. On y retrouve des archétypes de narration, comme le héros aux mille visages qui va vivre des aventures incroyables dans un univers fabuleux. L'idée est d'y découvrir un personnage grandir, d'y voir l'incension d'un jeune garçon qui, au travers de sa rencontre, va changer le monde. Et l'un des shonen les plus emblématiques est bien sûr Dragon Ball, une quête initiatique qui comporte une dimension parodique et humoristique. Ankama reflète cet esprit shonen et devient même le miroir de la génération Club de et c'est assez amusant de voir que beaucoup des personnages du Crosmos revêtent cette tradition. On peut notamment citer les personnages de Yogo de la série Wakfu, de Joris du film Dofus, d'Arty dans le manga Dofus. Et à mon sens, ces différents éléments, qui étaient autrefois la marque de fabrique d'Ankama, sont devenus sa limite. Et quand je découvre les nouveaux projets portés par l'entreprise, comme Princesse Dragon ou la dernière aventure du Comte Lance Dur, il me semble évident que les équipes ont envie d'aller vers autre chose. Et l'œuvre qui catalyse l'ensemble de cette remise en question de la société est la saison 3 de Wakfu. Attention, spoiler. Dans la saison 3 de Wakfu, on découvre le personnage d'Oropo, le nouvel antagoniste de la confrérie du Tofu. Ce personnage est atypique puisqu'il est né à un moment fort des OAV qui précède la saison. Yogo, en s'appropriant les Sidofu donne naissance malgré lui à des copies de lui-même, qui sont balancées aux quatre coins de l'espace et du temps. Ces copies sont appelées les héliotropes. Ils ont en mémoire le vécu de Hugo et renferment une copie de son passé. Ce personnage est super intéressant, d'abord parce qu'il est une tragédie à lui seul. Et, étant le dernier des héliotropes, il a absorbé à son tour la mémoire de ses semblables, et donc leur tristesse, leur haine et leur rancœur. Et ici, j'ai vraiment trois différentes interprétations au personnage, qui sont à la fois mon ressentiment personnel, mais aussi le fruit de mes recherches. La première interprétation est assez simple. Les Héliotropes sont les enfants qui regardent Wakfu Si vous avez mon âge, vous avez probablement joué à Dofus durant votre enfance, gagné de l'XP sur les crackleurs, mais surtout, vous avez peut-être regardé Wakfu le samedi matin sur France 3. En regardant cette série, c'était comme un rendez-vous régulier avec les personnages d'Ankama. On découvrait l'épisode du samedi matin, puis on allait découvrir la mise à jour dans Dofus et dans Wakfu les gardiens. On a vécu les aventures de Yugo et on a découvert un nouveau sens au mot immersion qui ne signifiait plus. Juste motion gaming ou jeu mobile, mais bien transmédia. Personnellement, j'ai grandi avec ces personnages. Et puis après, j'ai découvert d'autres jeux, d'autres séries. J'ai évolué et j'ai changé. Alors que le monde mutait autour de moi, je commençais à regarder mon enfance avec nostalgie. Et en regardant la saison 3 de Wakfu en 2017, rien n'était plus pareil. À sa sortie, j'ai détesté cette nouvelle aventure. J'étais déçu du changement opéré sur les personnages, de leur caractère qui n'était plus le même voir Tristepin devenir daron, m'étonnait et à cet instant, j'aurais juste préféré une pauvre rédite des deux premières saisons. Et puis, après un revisionnage récent, j'y compris au repos. Ce personnage représente plus qu'un spectateur frustré du changement. Il représente la folie de la nostalgie. À l'écouter, la vie sur laquelle il a eu un impact ne vaut rien comparé au passé de Hugo. Ce vécu qui n'est pas le sien l'a enfermé dans une haine irraisonnée et pourtant, lui et les Héliotropes ont préféré ne pas interférer. Et changer le cours de l'histoire avec un seul objectif, laisser Yugo vivre les deux premières saisons, et donc sauver ce vécu fantasmé. Maintenant, il y a la deuxième interprétation, qui n'est pour moi pas forcément la bonne, mais je vous la partage, car je pense qu'elle est vraiment passionnante. Yugo, comme les équipes d'Ankama, ont provoqué le destin. C'est eux qui ont provoqué, par leurs actions ou leurs inactions, leur ascension et leur chute. Et ces deux entités se sont bridées dans une boucle basée sur le passé fantasmé. Et impossible à revivre. Cette sensation de se trouver face à une copie perpétuelle de Dofus, qui malgré sa volonté de s'en détacher, est toujours rattrapé par son héritage. Et tout cela m'amène à ma dernière interprétation qui m'est très personnelle. Et si le personnage de Yugo était la représentation d'Ankama Un OVNI qui construit des choses fabuleuses et qui pour trouver sa place va devoir faire face à sa nature profonde. Mais si Ankama et Yugo, pour moi, les héliotropes et au repos, sont aussi les créateurs que son équipe a inspiré. Après tout, l'aventure de Crosmoz est originale dans toute l'industrie. Cette force de proposition m'a poussé à rêver, à penser que peut-être un jour moi aussi j'aurai l'occasion de donner vie à des univers. Des univers dans lesquels évolueront des passionnés, qui à leur tour lanceront les leurs. Quelque chose me fascine chez l'artiste, qui peut être perçu comme atypique dans le monde dans lequel il évolue. Mais l'artiste devient tel un dieu quand il construit son univers. Et il choisit ses règles. Dans lesquels évolueront les protagonistes, et il choisit chacun des impacts de ces derniers. La question est la suivante Qui est le protagoniste d'un MMORPG Finalement, qui de Yugo ou de Oropo est le créateur Après la fermeture consécutive de Dofus Arena, Wakfu Les Gardiens ou l'abandon de Sleg, on est en droit de se demander à quel point Ankama, en tant que société est aujourd'hui dépendante de la marque Dofus. Cela fait maintenant près de 15 ans que les détracteurs du Crosmos prédisent la fin de l'entreprise que la compagnie est trop dépendante de son univers fétiche, parce que l'univers du Cosmos n'a jamais surpassé la marque d'Offus. Pourtant, Ankama est toujours debout, elle fait partie intégrante de l'imaginaire collectif des joueurs français. Pour moi, Ankama a redistribué les cartes dans le monde du divertissement. C'est la première entreprise qui a voué son activité à la création d'univers populaires en proposant des idées fortes, avec des valeurs écologiques. Et a initié toute une génération aux jeux de stratégie. Dofus n'a pas été seulement un vecteur de rencontres, il a été bien plus qu'un simple réseau social. Il est un univers riche où derrière chaque personnage non joueur se cache une blague et un humour ravageur. Il y a quelques années, Ankama a annoncé la volonté de créer Ankama Launcher, son centre transmédia dans lequel les joueurs pourront voir sur une seule interface toutes les productions Ankama, qui rassemblera chaque BD, chaque jeu, chaque dessin animé de l'univers du cosmos. Maintenant, reste à savoir si ce player se découvrira sous le prisme du Cosmos ou sous le prisme de Dofus.